table. On va faire le lit. Waouh, c'est trop beau dans la petite maison. Bon, et Noah qui teste la chaise de jardin dans plein Leclerc. Ouais, bah c'est bien ce que je disais. Bonjour les amis, comment ça va? On se retrouve pour un retour de chez Ozart. Alors, chez Ozart, j'ai pris une pince pour plier, donc c'est pour les bijoux et certaines, ouais, surtout pour les bijoux, hein, jewelry, et une autre pince coupante. Je vais vous montrer pourquoi. Donc c'est une pince Basic Tools, voilà. Et voilà, alors j'ai pris, vous allez voir, de la colle. Donc c'est de la colle exprès pour bijoux. Voilà, exprès. Là j'ai acheté quelques stickers. Je les trouve très très jolis. Et ben voilà. Et ceci, ouais, voilà, c'est pour ça que j'ai besoin de la colle. Donc voilà. Donc c'est une chaîne, voilà, que j'ai acheté donc en acier. Je sais pas si on voit bien. 60 cm je crois, il me semble, ou 70, avec ceci, je sais pas si on voit bien, voilà, pour accrocher donc les deux chaînes, les deux extrémités, donc cette extrémité où je vais mettre la chaînette. Et après, je vais coller. Je vais venir coller avec la colle. Voilà. Donc, et très important, ma petite clé de sol. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a choisi des articles en relation avec une clé de sol. Voilà. Donc je vais vous faire ça. Donc j'ai installé déjà le crochet. Voilà. C'est très minutieux ça. Voilà. J'espère que ça va tenir. Voilà. Clé de sol. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Petite clé de sol. Donc je bataille, hein. Mais bon,
J'ai mis la colle. Voilà. C'est très dur, hein. C'est pas évident hein, en fait. Voilà. Voilà. Bon, ben, j'ai trouvé une autre technique hein, qui est plus qui est moins invasive que la colle et moins pénible. Donc ça va rentrer normalement, oui, puisque je l'ai testé. Faut être très très patient. Bon, attendez. Ça y est, j'ai réussi à le rentrer là. Voilà. Normalement, c'est bon. Voilà. Ma petite chaîne. J'ai réussi. Voilà. Amis, du coup j'ai réussi à monter ma petite clé de sol. Je sais pas si on peut la voir. Voilà ma petite clé de sol. Et je peux même l'allonger. Voilà, donc en l'allongeant au max, elle arrive là. Voilà, donc j'ai réussi avec ma pince coupante et ma pince à tenaille, voilà, qui est toute lisse mais qui est pratique pour les bijoux. Voilà, donc ça abîme pas. Je sais pas si on voit dedans, c'est plat. Voilà, donc voilà. Sur ce, les amis, je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. Ciao.